Bonjour à tous et bienvenue chez Bonnefils Automobile. On se retrouve aujourd'hui avec ce nouvel arrivage, donc un BMW X3 20D développant 190 chevaux. Donc on va être sur un moteur 4 cylindres diesel. Couleur extérieure, blanc métallisé en option chez BMW pour 900 euros. Au niveau des jantes, on y retrouve ces jantes M Sport, donc en biton en 20 pouces. Donc c'est un véhicule déjà immatriculé en France, donc pas de malus écologique à prévoir. Il totalise 82 900 km. Première mise en circulation le 10 juillet 2018 et il est affiché au prix de 31 990 euros. En termes d'options, on est très bien servi. GPS Pro, caméra de recul. On a également le Bluetooth, toit ouvrant panoramique électrique, siège chauffant, détection d'obstacles avant mais également à l'arrière, régulateur de vitesse, l'angle mort. Avertissement donc de sortie de voie, également collision, et on va avoir le vitrage insonorisant donc pour plus de confort à l'intérieur du véhicule. Au niveau du coffre, on y retrouve kit anti-crevaison avec un espace de rangement. Donc coffre très profond avec de la hauteur. On peut également rabattre la banquette arrière. Haillon électrique pour la fermeture. On y retrouve le logo X3 juste ici, le détail de la caméra de recul. Bien évidemment, c'est un véhicule 4 roues motrices équipé du X-Drive et le logo donc 20D. Au niveau du diffuseur, donc diffuseur, une partie peinte couleur carrosserie et le petit détail en gris avec les deux sorties d'échappement. Donc les vitres arrière ne sont pas surteintées. On y retrouve du nord à la quai à l'intérieur avec un pack d'ambiance LED, du tissu, du cuir sur piqûre blanche. Selleri comme la portière avec du cuir et du tissu. On a également la clim pour les passagers arrière avec le réglage de la température, mais elle est également automatique. Toit ouvrant panoramique électrique. Véhicule dans une configuration très sobre, très élégante. Blanc, gris avec des petits détails en noir. Vous voyez, je vous montre le véhicule de face avant. Vous voyez, le véhicule est bien immatriculé en France. Donc les trois premiers entretiens ont été faits chez BMW et le dernier au sein de nos locaux qui se trouve donc à Barraqueville, à 50 mètres juste au-dessus de notre centre de vente. Donc vous voyez, du piano black. On va avoir le bouton pour les vitres également pour l'ouverture du coffre. Seuil de porte en aluminium siglé X-Line. On a les sièges confort à l'avant, donc pareil, cuir, tissu, réglage manuel. On a également le réglage pour les appuis lombaires, démarrage sans clé. Donc on y retrouve le GPS juste ici, compteur semi-digital, hop, le capot est mal fermé. Et on repasse derrière le volant. Donc je vous disais, compteur semi-digital, juste ici. Le GPS, démarrage sans clé, on a également le start and stop. Volant 3 branches avec palette aluminium au volant et commande donc pour le régulateur, le limiteur de vitesse, également le son. On va voir la partie clim, donc clim automatique. Également les sièges chauffants, chargeur à induction. On a bien évidemment le double des clés fournies avec, porte-gobelet. Les trois modes de conduite bien connus de chez BM, Sport, Confort et le Eco Pro. On a également le Auto Hold et juste ici, le pad donc pour gérer l'interface du GPS et une boîte de rangement avec des prises de charge USB. Nous sommes partis pour l'essai du véhicule. Un véhicule déjà extrêmement bien sonorisé. Donc toit ouvrant comme je vous disais. Donc nous sommes situés à Barraqueville en Aveyron près de Rodez. Vous pouvez retrouver tous nos véhicules disponibles à la vente et visibles sur parc. Donc large gamme, large choix de véhicules premium. Nos annonces sont également visibles sur notre site web bonnefilsautomobile.com, mais également sur les plateformes de revente telles que Le Bon Coin ou encore La Centrale.
Ouais, aujourd'hui, soleil magnifique sur Barakville. On profite du beau temps. Vous voyez déjà, sentiment de sécurité, on est surélevé par rapport aux autres usagers de la route. Moteur diesel, donc bien évidemment du couple, donc pas la peine d'écraser la pédale d'accélérateur, il suffit juste d'appuyer légèrement et le couple fera la différence. Un véhicule extrêmement confortable. On a également l'indication de la limitation de vitesse au niveau du compteur, donc dans la partie digitale. Voilà, avec l'option des vitres insonorisées, on entend vraiment presque pas à l'extérieur, même le moteur. On n'a aucun bruit pour plus de confort, donc surtout pour les longs trajets comme pour vos trajets du quotidien. Donc nous en avons déjà fini avec la présentation de ce BMW X320D. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker ainsi qu'à la partager. Et si vous le désirez, vous pouvez même vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochains essais. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.